Bah, je sais plus où j'en étais. Mais non! Ah, je vais essayer de faire valoir les droits, on va dire, dans la liste de demain. Cette magie du démon. Mais qu'est-ce qu'il fait lui? Il tâte la queue du... du léopard mort là. Du puma. Le tour de la cité, c'est pas évident. Dans la ville pour traverser la rivière. Oui, mais ah oui, donc techniquement je peux pas traverser la ville en cheval, enfin à cheval. Fait que je vais être obligé de passer en logeant la fortification. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait des lignes de route. Attention mon grand. Allez, on y va. Ouais, t'as papier mon pauvre. C'est dit de la rivière. Encore la même route. Sur la rive opposée. Allez, ça c'est fait. Oh mince. Mais qu'il est con ce crâne. Oh cette menace. Je tremble de peur.
Bien que je fasse une récolte de fleurs de lin. En alchimie, ça permet de régénérer la magie. Ouais, allez, va brouter le cheval. Je vais me faire le... Ah, encore que, est-ce raisonnable? Parce que je suis peut-être pas prêt, en fait. Faut l'avouer. Parce que regain de magie... Ouais, j'en ai 4, quand même. J'en ai une grosse et j'en ai 3 petites, des regains de magie. Ouais, faut que je fasse le ménage dans ce bazar. Talent accru. Les coupures et les entailles reçues lors de longues séances d'entraînement en maniement de toutes les lames ont porté leurs fruits. Vous êtes maintenant un maître en lames. Votre puissante attaque de ruée peut dorénavant paralyser l'adversaire. Pour employer cette attaque puissante, appuyez longuement sur attaque tout en vous déplaçant vers l'avant. D'accord, oui, c'est une charge en fait. Est-ce que je vois?
cochonnerie qui te déboîte, toi. Prêt en fait. Je sens que je vais pas aller bien loin.
qu'elle de dire, c'est qu'elle elle est morte au beau milieu de la route. C'est pas du lin, je pensais que c'était du lin, mais non, c'est des roses. C'est rigolo que je suis en translucide. C'est monstrueux. Thank you.
avec le pire dont vous êtes capable. Vous allez mourir, encore. Mais pourquoi on m'a attaqué? Je comprends pas. J'ai une prime sur la tête ou quoi? Bah non. J'ai pas... Je comprends pas. Pourquoi on m'a attaqué à mon arrivée dans la ville? Peut-être que je me suis présenté sous l'armure, ils aiment pas ça. Oula! Ouais, faut dire aussi mon bateau c'est pas. Une pièce me suffit pour manger toute la journée. Merci, chère madame. Anu vous bénisse.
Alors moi ce qui me chagrine c'est que j'arrive pas à retrouver le forgeron. Mais ça c'est le... C'est pas le forgeron. C'est ce qui m'ennuie. Oh, guide des guerriers, ils sont pas forcément forgerons. Je suis en train de tourner en... Nageur de ville, voilà. Maison postée, je sais pas quoi. D'argent sur l'eau. À la bonne affaire. Oui, mais. Merde, ne me dis pas qu'il n'y a pas de forgeron ici. Ah, le paradoxe de l'archer. En fait, il faut que j'aille. Je me refusais à me dire qu'il y avait un commerçant dans mon quartier résidentiel, mais si en fait. Il faut que je me dise que le que l'archer en fait forgeron il est à côté de chez moi. Oui c'est con à dire mais c'est la maison à côté de la mienne en fait. Faut que je l'accepte. Ah bonjour mon garçon. Qu'y a-t-il ? Des rumeurs ? J'ai l'impression qu'Ardaline a un admirateur en la personne de Varon Vamori. Oh, me fais pas rire, va. Oui, tiens, d'ailleurs, faut que je restitue son bâton. Tu fais bien de m'en parler. J'étais parti pour oublier de lui donner, alors que je suis revenu dans la ville exprès. Bref, si vous pouvez me réparer quelque chose. Si je ne peux pas réparer quelque chose, c'est que ce n'est pas cassé. Oui. Ouh, ça coûte une blinde. Merci, mon garçon. Qu'est-ce que tu vends ? Regardez ce que j'ai à vendre. Il y a forcément quelque chose qui vous plaira. Je reconnais que t'as du matos de qualité. C'est con qu'on puisse pas prendre les objets et les poser comme on le souhaite. Que là, par exemple, j'aurais acheté les boules de cristal. En décoration, je me serais tapé un délire. Mais non. Dommage, dommage. Ah oui, rappelle-moi le coup du garde triste. Je ne sais pas grand-chose au sujet de ce fantôme. Mais d'aucuns disent qu'il aurait péri au cours d'un terrible naufrage. Si j'étais vous, je ne m'approcherais pas de lui. Ça porte malheur. Chaque nuit, il rôde sur la côte de la baie de Niben. Puis il s'arrête et fixe tristement la mer. Si ça vous intéresse, allez voir Gilles Gondorin, à Hâtre d'Argent-sur-Berge. Il connaît toutes les légendes locales. Prenez soin de vous. Oui, 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 merci, toi aussi. Attends, je vais aller à la guilde des mages, je vais restaurer le bâton, et puis... Voilà, attends, dans mes habits, je crois que j'ai l'anneau de lumière. Allez, go. Moi, je verrai un petit peu mieux. C'est vous, salut. On raconte. Oula, 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 oula. Attends, déjà, je vais activer la bonne quête. Si je retrouve la bonne quête. Ah oui, attends, je la retrouve plus, le coup du bâton. Ah oui, c'est ça.
Elle serait entrée dans une porte d'Ovivion et qu'elle l'aurait détruite. Je n'aurais jamais cru. Bonjour. Sans le moindre doute. Toi de neuf, je suis heureux que Mars que le culte voué au Dédra était devenu de plus en plus important. Excellente guérisseuse. On dirait que l'archipel de l'automne est devenu un endroit très dangereux. Qu'est-ce que ça peut pas? Prenez soin Bonjour. De vous. Bonjour. Avez-vous le bâton de mage associé? Mais oui, ma chère QDI, je l'ai. Ah, merveilleux. C'est avec le plus grand plaisir que je le rapporterai à son propriétaire légitime. Merci. Inutile de me donner tous les détails concernant son obtention. Il vaut peut-être mieux que je n'en sache rien. Ce que vous avez fait pour la guilde mérite au moins une recommandation. Je vais rapidement l'envoyer à l'université. Et afin de vous remercier de manière plus personnelle, je vais vous apprendre ce sort. Ah, merci. Il vous sera peut-être utile dans certaines circonstances. Probablement. Merci, QDI. Ah, la fascination. Des rumeurs ? La guilde des mages fonctionne comme avant, mais elle a perdu pas mal de membres lorsque la nécromancie a été interdite. Le moment est venu pour vous de voir le vrai pouvoir de la guilde. Raminus Paulus souhaitera vous parler. Rendez-vous à l'université Arcane. Ah ah, ça veut dire que j'ai toutes les recommandations. C'est bon, ça. Va falloir que je revienne à la capitale. Ah, il faut que je me fasse une récolte de fleurs de lin, moi. Il faudra que j'aille à l'ouest. La fleur de lin va me permettre de faire un max de potions de magie. Et c'est seulement là que je pourrais reprendre ma domination dans les portails d'Oblivion, là. Parce que là, je suis faible. J'ai plus de ressources. Ça fait suer. Mille gardes tristes, parle-moi-en, s'il te plaît. Je ne sais pas grand-chose au sujet de ce fantôme, mais d'aucuns disent qu'il aurait péri au cours d'un terrible naufrage. Si j'étais vous, je ne m'approcherais pas de lui. Ça porte malheur. Chaque nuit, il rôde sur la côte de la baie de Niben. Puis il s'arrête et fixe tristement la mer. Si ça vous intéresse, allez voir Gilles Gondorin, à Âtre d'Argent-sur-Berge. Il connaît toutes les légendes locales. J'espère que nos chemins se croiseront de nouveau. J'ai encore aperçu le garde triste. Chaque fois que je vois ce fantôme, ça me donne la chair de poule. Bonjour. Bonjour, ô elfe. Comment allez-vous ? Bonjour. Bonjour. Des rumeurs ? J'ignore ce que l'archimage Traven a contre la nécromancie. Mais quand il a été nommé à la tête de la guilde des mages, sa première action a été d'en interdire la pratique. Vous aussi. C'est un plaisir de vous voir. Oui, merci. Delphine Gent, créatrice du célèbre sort Explosion des ennemis. Entraîneur avancé dans l'art de la destruction. Et mage destiné à faire de grandes choses. Ouais, j'en doute pas. Des rumeurs. Certains disent que Traven se sert de son statut d'archimage à des fins personnelles. Il n'y a que des articles de qualité ici. Que puis-je vous offrir ? 30 pieds.
Ah vache, oui, en effet. Oh vache. Ouh là là. Dégâts de feu, 5 points dans 10 pieds pour 5 secondes. Les dégâts de feu, 70 points dans 20 pieds pour 1 seconde. Oh la vache. Ok, ouais, elle génère une explosion, mais alors... C'est Dragon Ball Z, en fait, la madame. Oh oh. Elle te fait des kamehameha. Revenez quand vous voudrez. Oui, merci, Delphine. À plus. Vous aussi. Comment allez-vous? Comment? Bonjour. Ouais, ça va, merci. Bonjour, Carandial. Des rumeurs? Je crois comprendre que Dagaï le contrôle bien mieux ses facultés, maintenant que le plan ourdi par Kaltar a été révélé au grand jour. Mmh. Oui, c'est rassurant. À bientôt. Ouah, de neuf. J'ai entendu dire que des gens avaient vu des gobelins. Une copine alchimiste. J'espère pouvoir vous être utile. Mais oui, bonjour Ardaline. Déjà des rumeurs, ma grande. Les choses sont différentes à la guilde depuis que Traven a été nommé archimage. Elle est plus structurée, mais tout le monde a l'air nerveux. Ah, qu'est-ce que tu me vends? Que puis-je vous offrir? Dans ces ingrédients qui m'intéressent. Oui. Mm-hmm. Merci d'avoir fait affaire avec moi. Ouais, je t'en prie, merci à toi. Au revoir. Salut. Au revoir, je me suis encore... Quoi de neuf? J'ai entendu dire que la situation était extrêmement chaotique au niveau je des sais grands même où la porte est sortie. Indoril est en ruine. Trop stylé, la les Redoran sont assiégés par les Nordiques de bord de ciel. C'est top discret. Ce n'est pas surprenant au vu du passé violent de Morrowind. Oui, je crois que c'est par là la sortie. Mais ils auraient dû décorer de manière spécifique la sortie, là, qu'on la distingue. Bon, allez, j'entre chez moi.
repos du guerrier, 10 heures bien méritées. Ah oui, voilà, c'est confirmé, j'ai reçu des recommandations de toutes les guildes de Cyrodiil. Ah bah voilà, je voulais mon regain de magie, le v'là. Ouais bah, je vais me prendre les potions et puis ça me permettra de partir à l'aventure. Par contre, ce que je peux essayer, c'est de faire le clair de lune, Meirdoum. Voilà. Parce que avant, je faisais quoi? Ah, 20-60. Alors que là, c'est 30-60. 30-120, c'est mieux que ça. Là, ça me demande 42. Et là, ça en demande 12. Ah oui, c'est plus cher. C'est plus cher, mais normalement ça va faire beaucoup plus d'effet. Ouais, là normalement je vois beaucoup mieux. Bon, bah direction la capitale. Je vois pas ce que je peux faire de mieux. Ah là 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 là, je réfléchis en même temps, mais... Ah oui, il y a peut-être mes recharger mes armes en magie. Un cryo-cro, je peux prendre une énorme gemme. Hein. Une ordinaire. Voilà, 1200, ça fait 2000... Oui, voilà, c'est du gâchis, dommage. J'en verrai après. C'est beau, c'est beau. Oui.
bonne rencontre. Avez-vous entendu l'appel du prophète? Empruntez-vous la voie du pèlerin? Oui, je cherche les 9 pierres. Moi aussi. Peut-être pourrions-nous voyager ensemble tant que nous suivons le même chemin. Ton père Elena, je te fais comment? J'ai répondu à l'appel du prophète afin de défendre la foi. Seul un vrai chevalier portant les reliques du croisé peut arrêter le mal qui nous menace. Je suis la voix du pèlerin, comme l'ont fait les chevaliers d'autrefois. J'apprécierai votre compagnie sur la route, si nos chemins sont les mêmes. Oui, le prophète. Vous l'avez entendu. Comme moi, vous savez qu'il dit vrai. Si telle est la volonté des 9, je serai celui qui retrouvera les reliques du croisé. À moins que cet honneur ne doive vous échoir. Que les 9 bénissent votre quête. Peut-être nos chemins se croiseront-ils de nouveau. Oui, sûrement. Bah, au moins, c'est un gars qui est super bien équipé et qui fait un ménage sur les voies de circulation. Continuons, poursuivons. Ah, génial, encore un moteur qui se promène. Thank you.
bordel. C'est une question de confiance. Je n'ai pas assez confiance en vous. Oh, je peux s'y arranger. Poursuivez. Sous la pluie. Merci. Que c'est gentil. Ah merde, je peux pas le convaincre. Je regrette, mais je ne me sens pas assez à l'aise avec vous pour vous le dire. Oh, à plus. Au revoir. Oh, quel temps de chiottes. C'est vous, le héros de Kvatch. C'est un véritable honneur. Ah, je vais finir l'épisode sur ma consacrement, si je puis dire, à l'Académie des Mages, en tant que membre à part entière. Alors, entre nous, parlons bien, parlons mieux. Dis-moi que je peux faire de la paralysie. Thank you.
Bah, autant dire que j'ai refait le plein pour partir en guerre. Là. Bon. Je vous salue. Vous saviez que quelqu'un a encore joué un tour à Jeanne Frazoric, à Bruma? Je ne comprends pas comment elle fait pour se faire avoir à tous les coups. Je n'aurais jamais cru. Absolument. Othello, c'est du genre sournois. On a toujours l'impression qu'il est en train de mijoter quelque chose. Je l'ai vu une fois, et puis il a disparu. Que pensez-vous de ça? Au revoir. Oh, quel con. J'ai pas pensé à ça. Je suis tellement heureuse de vous voir que je pourrais pleurer. Ah bon? Ça va au ciel. Le siège de la guilde de Corolle a reçu une visite fort déplaisante récemment. Quelqu'un qui en voulait à Tekeus. À bientôt. À bientôt. Bonjour, associé. Il semblerait que vous ayez obtenu la dernière recommandation requise. Bonjour, Raminus Paulus. Alors, des rumeurs? L'archimage Traven est le premier à s'en prendre ainsi à la nécromancie. Cela a choqué pas mal de gens. Ouais. L'université Arcane a vu le jour peu après l'installation de la guilde des mages à Cyrodiil. C'est notre siège depuis très longtemps. Et c'est très bien comme ça. J'ai reçu des recommandations de toutes les guildes locales de Cyrodiil. Vous avez fait du beau travail. Vous pouvez maintenant entrer dans l'université. Ouais. En tant que membre à part entière de la guilde des mages, je vous élève également au rang d'apprenti et vous remets la robe de l'apprenti. Prenez quelques instants pour l'essayer. Puis, nous parlerons de ce qui vous attend par la suite. Avec plaisir. Elle est bien comme ça, ma petite Gwendoline. Nous abordons enfin le véritable travail. Ah. Vous avez sans doute vu les pires que la guilde puisse offrir. Nous avons beau essayer de maintenir les mages à un niveau supérieur, ils restent de simples êtres humains. Ce que j'espère vous montrer maintenant, c'est que la guilde peut être incohérente et mal employée, mais qu'elle est également capable de réaliser des merveilles. Vous avez maintenant l'occasion de vous employer à des tâches plus significatives et de poursuivre votre ascension dans la guilde. Vous n'êtes pas encore qualifié pour une autre promotion au sein de la guilde. Avant de pouvoir commencer à travailler pour la guilde, vous devrez faire quelque chose pour votre propre compte. Chaque mage porte un bâton. Il est fabriqué et enchanté par la guilde. Et c'est un symbole de rang social. Il vous faut un de ces bâtons. Le bois utilisé pour les bâtons provient d'un bosquet au nord-est de la cité impériale, près de la grotte de Bonne Source. Plusieurs mages s'occupent du bosquet et devraient pouvoir vous aider. Adressez-vous à Zaracha ou à Eleta à votre arrivée et faites votre choix avec sagesse. La grotte de Bonne Source se trouve au nord-est de la cité impériale. Là-bas, les mages pourront vous aider. Vous connaissez votre tâche. Procurez-vous du bois pour votre bâton dans le bosquet situé près de la grotte de Bonne Source. Eh bien, ok. Vous aurez bientôt un vrai bâton de mage. Merci. J'espère que j'aurai le choix de l'ensorcellement. Si j'ai le choix, la lumière ou la plume. J'adore ces deux sortes. Je suis tout oui, citoyen. Oui, moi aussi. Qu'y a-t-il, citoyen? Parlez, citoyen.
Des rumeurs. Ce n'est qu'un voleur. Non, la noblesse le... Oui, je sais. Mais des rumeurs. Si vous devez voyager par les neuf divins, ne quittez pas la route. La région sauvage n'est plus sûre. Nous avons repéré du danger, vous savez. Les Dédras. Ouais. Soyez prudents. Le danger est partout. C'est rigolo de l'avoir, j'allais dire, dans le plus simple appareil, non. De l'avoir en avis simple. Ah, c'est donc là-bas que ça se passe. Ah, mais je pourrais y aller à pied. Je vais sauter hors du pont et je vais foncer le rejoindre. C'est... Oui, je suis la porte d'à côté. Suite au prochain épisode, mes amis.